Affrontement incertain entre Auxerre 12e et Chambly 15e. Après une série de rencontres compliquées, le promu camblisien va un petit peu mieux. Auxerre n'a jamais réussi à véritablement décoller. Il n'y a donc que 3 points d'écart entre ces deux formations. Auxerre reste tout de même le favori du match à la maison, mais Chambly bénéficie de la première opportunité avec ce tir de loin, sauvé sans trop de soucis par Mathieu Michel. Il y a très peu d'opportunités dans la première période. Ce tir de Joris Correa n'était pas assez dangereux. Mais il en faut un petit peu plus pour marquer dans ce match. Pourquoi pas sur un coup de pied arrêté frappé par l'un des meilleurs Auxerrois cette saison, Michael Barreto. Un ballon bien dosé, une première frappe manquée, la deuxième est spectaculaire, l'occasion énorme de marquer le premier but pour la JA. C'est manqué par Alexandre Coeff et sauvé par Xavier Pinotto. Encore un coup de pied arrêté sur le côté cette fois-ci, on joue les arrêts de jeu de la première période. Un petit décalage, puis ce tir contré par un défenseur, ce n'est pas très bien exécuté. Et ça fait 0-0 à la mi-temps. Un résultat relativement logique. Ça manque énormément de tranchants. Jean-Marc Furlan espère un petit peu plus en seconde période pour enfin marquer le but qui ferait la différence. Pourquoi pas encore une fois sur un coup franc. Le ballon passe au-dessus du mur, mais retombe directement dans les gants de Xavier Pinotto. Tout cela n'est pas assez dangereux. Chambly résiste et jusqu'à la fin du match, 0-0 dans un triste match entre Auxerre et Chambly.